Encore le fusil de chasse embarqué? T'es un gentleman? Ah, c'est que ça a marché la dernière fois. Et vu la dérouillée que tu leur as mise, ils risquent d'être hargneux. Les bêtes affolées peuvent être dangereuses. Merci pour cette perle de sagesse. Derrière nous! Dans le pick-up! De rester derrière moi. Je veux personne dans ma ligne de tir. D'accord, c'est noté. C'est toi qui mènes la danse, Trésor. On le sait. Dans l'un des conteneurs. Ils y parquent les otages. Sud. Merde! Ils reviennent! Il faut que je me planque!
quelqu'un vers la station de monorail sud. Mon frère est sorti, il a besoin d'aide. Pas de problème. Je m'en occupe. Je serai bientôt là. Je me suis sentie bien en courant vers Brent. Je rentrais à la maison. Passer du temps avec lui me remettrait les idées en place. Fini les crises de panique que seuls mes souvenirs pouvaient calmer. Il était ma planche de salut. J'avais hâte de le retrouver. Jolie, mais je vais avoir besoin de tes services. Jusqu'à ce que je me fasse une place dans cette ville. Ensuite, tu le récupères. Non ! Parole de secours. Faites pas ça. Juste quelques boulots. Faites ! Non, non, non ! Je perdais pied encore une fois. Il me fallait un souvenir, même un mauvais, pour m'y accrocher, me concentrer. Quand on vit dans la rue, on est comme un déchet aux yeux des autres. Le déversement de haine s'arrête jamais. Mais quand on s'est fait notre premier fixe... Oh, d'un coup, c'était plus si grave d'être un déchet. Pour cette sensation, on était prêt à tout. Brent a vu que ça finirait mal. Il a même planqué ma cam pour me faire accrocher avec lui. Mais j'étais trop accro. C'était... vraiment trop bon. Je pouvais pas m'arrêter. Impossible. J'avais besoin de contrôle. Quand Shane a eu Brent, j'ai craqué. C'est comme si votre corps développait une résistance. Un nouveau pouvoir pour vous aider à faire face. C'est tout à fait ça, ouais. Vous voulez voir ? Approchez. Plus près, amenez-moi vos gars. Vous m'avez caché des choses, mademoiselle. Peut-être. Recommençons et je sors le grand jeu. Impressionnant. Pourquoi ne pas m'avoir montré ça avant ? Peut-être parce que ça en valait pas la peine. Envoyez-moi des agents du DUP, et ce sera un vrai feu d'artifice. Attention à ce que vous souhaitez. Suivez les lignes jaunes. Restez au milieu du hall. Pas d'échappatoire. Les sorties sont closes. Ici, je vous autorise à attaquer les hologrammes de mes hommes. Mais à une seule condition, que vous ne me cachiez plus aucun de vos pouvoirs. Entendu. J'ai fui ces types pendant des années. C'est plus marrant de leur casser la gueule. Pensez que le monde est votre ennemi, mais parfois, des alliés vous entourent. Pourquoi tant de colère contre les porteurs, mademoiselle ? Nous sommes tous pareils à la base. D'où vient cette rage ? Pourquoi nous prenez-vous tant de plaisir ?
Dans cet exercice, vous devez commencer à créer votre propre réalité. Bien joué. Une arme mécanique. Vous pouvez le modeler à votre guise. Hé, je suis pas votre arme. Vous arrêtez pas de parler de ma colère, d'essayer d'entrer dans ma tête. Laissez-moi me battre. La plupart des agents du DUP étaient aussi perdus que vous autrefois. Ils avaient besoin que je les aide à canaliser leurs facultés. Mais pour faire leur travail, ils devaient survivre. Vous voyez, vous êtes bel et bien une arme. Quand on vous a ramassé, j'ai étouffé l'affaire, effacé toute trace de votre existence. Pourquoi? Parce que je voyais en vous quelque chose d'intéressant. Je suis juste là pour mes pouvoirs. Grâce à eux, je me sens à nouveau normal. Non, vous êtes ici à cause de ce que vous avez fait. Vous voulez déchaîner votre rage? Canalisez-la. Battez-vous! Thank you.
Je vais faire monter la pression, si ça ne vous gêne pas. L'entraînement fonctionne, on dirait. Très bien, mademoiselle Walker. Continuez comme ça et je vous mettrai bientôt au travail. Asseyez-vous. Vous étiez en train d'expliquer comment Shane vous avait trahi. Une fois les Akula hors course, Shane s'est intéressé au commissaire. Il espérait le forcer à passer un marché. Il m'a promis de relâcher Brent si je l'aidais et que j'obéissais bien gentiment à tous ses ordres. Je savais qu'il mentait. Mais avec l'arrivée en masse du DUP, il me fallait un plan B.